Chers amis, comme vous le savez, le Conseil d'État a rejeté les demandes de Civitas et des 20 autres dépositaires de pouvoir au plus vite célébrer la messe en présence des fidèles malgré l'état d'urgence sanitaire. Des avocats indépendants, extérieurs à tout mouvement en faveur de la messe, ont examiné l'aspect juridique de ce rejet. Il ne fait aucun doute qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale. Il n'y a guère de discussion sur le fait que la liberté de culte entre dans cette catégorie. Elle signifie la liberté de se réunir à l'occasion des cérémonies et le libre usage des locaux de culte. Plusieurs collectifs de fidèles s'en sont indignés. L'Association pour la messe, après avoir recueilli plus de 100 000 signatures en lançant sa pétition, vient d'adresser un courrier le 18 novembre au président de la République. Civitas n'a pas l'intention non plus d'admettre cette situation. La messe est essentielle à tout catholique. De quel droit et avec quel cynisme le gouvernement décide-t-il de rétrograder le sacrement de l'Eucharistie bien loin derrière l'achat de denrées dites de première nécessité ou de matériel de bricolage? De quel droit le président de la République et son exécutif s'arrogent-ils une autorité quasi-canonique pour nous imposer peu à peu une religion catholique d'État comme en ex-URSS ou en Chine? Vous pensez que j'exagère? Rappelez-vous pourtant les propos de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de François Hollande, dans son livre « Une religion pour la République », écrit en 2010. Je cite « Toute l'opération consiste bien à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. » Je répète, à terrasser définitivement l'Église. Oui, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, est-il écrit dans l'évangile de saint Matthieu. Oui, la messe est essentielle à tout catholique. Oui, la dimension publique de nos offices est essentielle au culte catholique. Oui, Jésus-Christ est le roi des nations, autant que des individus. Oui, Dieu a droit à un culte public. Je vais citer le cardinal Pie, un éminent cardinal de la fin du XIXe siècle, qui était très engagé au niveau du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et conseiller auprès de l'empereur Napoléon III, il avait rencontré, très au fait des faits politiques. Je le cite. « Tant que le monde durera, disait-il, ne prenons point le parti de confiner, déjà à l'époque, le règne de Dieu au ciel, ou même à l'intérieur des âmes. Le détrônement terrestre de Dieu est un crime. » N'y soyons jamais résignés. Oui, l'assistance dominicale à la messe est un devoir devant Dieu. La Sainte Hostie ne se reçoit pas, de façon virtuelle, derrière un écran, assis sur son canapé. Depuis le dimanche 8 novembre, dans plusieurs villes de France, des catholiques ont montré l'exemple en priant devant les églises. Dimanche 15 novembre, plus de 40 lieux de rassemblement de catholiques, 60 aujourd'hui je crois, ont été déclarés en préfecture. Mais les messes publiques ont été interdites, les prières jugées importunes et ont valu aux organisateurs une convocation au commissariat. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a choisi visiblement de déclarer ouvertement la guerre aux 44 millions de catholiques en France. 44 millions. L'heure est grave. Historique. C'est la première fois dans les annales de notre pays que le culte est interdit au public. Ce que la terreur en 1793 n'avait pas réussi à faire. Ce que la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 n'avait pas réussi à imposer. Voici que le 25e président de la République française l'accomplit. Bien triste fait d'âme. Pour ceux qui nous regardent, non catholiques,
Nous recevons ces coups qui nous atteignent. Mais quand ceux-ci sont dirigés une fois de plus contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, nous protestons avec la plus grande énergie contre ce nouvel affront et, disons-le, ces actes d'un authentique totalitarisme. En conclusion, chers amis, montrons à notre tour la vaillance et la foi dont on fait en leur temps preuve les Vendéens. Soyons à notre tour des chouans et clamons comme eux, nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Merci.